Au prime abord, mes chers amis, en regardant une telle équation, elle paraît vraiment difficile. Cependant, on va utiliser des astuces pour arriver à résoudre cette équation facilement. Voyons donc ensemble. Ici, nous avons 3 exposant x moins 2 exposant x égale à 65. Bon, là, on sait à quoi faire. Cependant, à regarder avec le signe moins, ça ferait penser à une différence de 2 carrés, etc. Par exemple, si on a un a carré moins b carré, vous êtes d'accord? C'est a moins b facteur de a plus b. Ok? Parce que là, nous avons 65. 65, on va voir ce que ça donne. Maintenant, 3 exposant x, si je veux faire apparaître un a carré moins b carré, eh bien, je dois dire là, 3 exposant x, je peux dire, c'est 2 sur 2. Ok, 2 sur 2, et ça fait 1, ce n'est pas un péché. Et de plus, ok, 2 sur 2, c'est 1 demi par 2 pour faire apparaître ce 2 là. Ok, maintenant, et également, ça va faire 2 exposant x, d'accord, 2 sur 2 égale à 65. Maintenant, vous êtes d'accord que je peux dire c'est 3 exposant x sur 2 au carré, ici. Oui, parce que là, en faisant apparaître 2 sur 2, c'est 1 demi par 2, donc je fais 3 exposant x sur 2, donc c'est la même chose, je peux simplifier, donc pas de souci. Ça fait également 2 exposant x sur 2 au carré, vous êtes d'accord que je peux simplifier, ce n'est pas un péché. Donc ça va faire 65. Là, de la différence de carré apparaît là, sans souci. Là, on peut aisément faire un changement. Posons par exemple, par exemple, 3 exposant x sur 2 égale à un grand A et 2 exposant x sur 2 égale à un grand B. Du coup, je vais avoir un grand A au carré moins grand B au carré égale à 65. Donc l'évidence du carré, n'est-ce pas, apparaît de plus en plus. Et bien là, on va développer, ça va faire, n'est-ce pas, A moins B facteur de A en plus B égale à 65. Mais 65 c'est quoi? 65, vous êtes d'accord que 65, et je peux dire 5, ça va faire 13 ici, et puis 13, ça fait 1. Donc c'est 3 13. Donc ça va faire ici 5 par 13 qui donne 65. Et bien maintenant, nous avons un produit A moins B, facteur A plus B égale à 5 par 13. Et bien par identification, on va prendre ce premier facteur là. D'ailleurs, il faut comprendre bien, et la différence de deux nombres là, d'accord, entre deux entiers, est inférieure à leur somme. Et bien, normalement, A moins B, c'est 5. La différence est inférieure à la somme. Donc ici, nous pouvons dire A moins B égale à 5 et puis A en plus B égale à 13. Équation 1, équation 2. Maintenant, en résolvant cette équation, c'est assez simple. On a A moins B égale à 5, A plus B égale à 13. Donc, moins B plus B, ça fait 0. Du coup, on a 2A égale à 5 plus 13, ça fait 18. Du coup, A égale à 9. Nous trouvons A. Et bien, si nous trouvons A, on peut trouver B. Mais facilement, dans 2, dans 1, comme vous voulez, eh bien, je peux faire dans 2, A c'est 9, d'accord, plus B égale à 13. Donc, du coup, B égale à 13 moins 9, ça va faire 4. Nous trouvons A et B. Maintenant, il suffit de retourner ici d'abord parce que ce qu'on veut, c'est la valeur de x. Eh bien, 3 exposant x sur 2, c'est quoi? C'est A, mais A, et c'est 9. D'accord, c'est 9. Mais la base ici, 3. 9, c'est quoi? C'est 3 au carré. Donc, 3 exposant x sur 2 égale à 3 au carré. Maintenant, c'est si et seulement si x sur 2. X sur 2 égale à 2, ce qui donne ici x égale à 4. Okay.
De même, on a 2 exposant x sur 2 égale à b. D'accord, 2 exposant x sur 2 égale à b, mais b c'est quoi? B c'est 4. Mais 4 c'est quoi? La base est 2, c'est 2 exposant 2. Et bien du coup, x sur 2 égale à 2. Donc x sur 2, d'accord, il y a un c seulement c, x sur 2 ici égale à 2, ce qui donne ici, dans tous les cas, x égale à 4. Maintenant, on peut aisément vérifier 3 exposant x ici. 3 exposant x c'est quoi? X c'est quoi? C'est 4. 3 exposant 4. 3 exposant 4 moins 2. D'accord? Exposant 4. Maintenant, 3 exposant 4 c'est quoi? C'est 3 fois 3 fois 3 fois 3. Donc, ça fait 81. 81 moins 2 exposant 4 qui fait 16. Donc, du coup, ça donne 65.